Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdurSA.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler de la chance. Mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de la chance. Donc sachez d'abord que la chance n'est pas une fatalité. En fait, elle se provoque. Donc pour les gens qui se disent qui ne sont pas chanceux, eh bien vous pouvez changer cette malchance en chance. Et je vais vous donner trois astuces pour cela. Dans cette vidéo. Tout d'abord, la première chose, c'est de toujours écouter sa première intuition. Effectivement, souvent, il vous est arrivé, lorsque vous avez deux solutions, c'est de vous dire d'abord, ah ouais, mais en fait, je vais choisir la première solution. Et puis, en y réfléchissant, vous vous dites, bah non, en fait, la deuxième solution sera la meilleure. Et puis, bah, en fait, vous choisissez cette deuxième solution, et en fait, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne, et que la bonne était la première solution. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais en fait, j'aurais mieux fait de choisir la première solution. Eh bien, provoquer la chance, c'est de s'écouter, et donc, prenez toujours la première solution qui vous vient à l'esprit. Ensuite, la deuxième solution, la deuxième astuce, pardon, c'est de changer votre vie, de ne pas toujours faire la même chose. Effectivement, si vous vous considérez comme malchanceux et que vous continuez à faire toujours la même chose dans votre vie, eh bien, forcément, vous aurez toujours la même chance, c'est-à-dire la malchance. Donc, pour provoquer une nouvelle chance, eh bien, il faut que vous changiez certaines choses dans votre vie et vous verrez que la chance va venir. Ensuite, troisième et dernière astuce, c'est tout simplement d'arrêter de vous plaindre et d'être positif. Effectivement, les gens qui se disent toujours ouais, mais en fait, je suis tout le temps malchanceux, ça arrive qu'aux autres, ça sera toujours comme ça dans ma vie. Eh bien non. Si vous voulez que ça change, que vous deveniez chanceux, eh bien il faut avoir à l'esprit que tout est possible et que tout peut arriver. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdurSA.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Également, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite. Et également, n'oubliez pas que j'ai besoin de votre retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et de partager cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.